Les jeunes souffrent. Ils ne savent plus quoi faire pour leur avenir. Les passés qu'ils sont devenus, soliloques à la rue comme des fous. Ils ne savent plus quoi faire pour leur avenir. Les jeunes, les passés qu'ils sont devenus, soliloques à la rue comme des fous. Je décide. Aujourd'hui, 90% des jeunes vivent du pari. Malheureusement, c'est pas tous les jours qu'ils gagnent. Je décide. Cette jeunesse est faite même en slogan, monsieur le président. Mais malheureusement, quand on a bien notre Jamal, c'est pas tous les jours qu'ils gagnent. Et cette jeunesse est faite même en slogan, monsieur le président. Où est la responsabilité de l'État, monsieur Mondial à Paris Foot? 90% des jeunes Congolais jouent et rêvent de gagner le Où est la responsabilité de l'État, monsieur? Les perdants ne désespèrent pas. 90% des jeunes Congolais jouent et rêvent dans l'espoir de gagner un jour le visa du paradis des États-Unis. Et continuent à jouer. Et les gagnants, dans l'espoir de gagner un jour le visa du paradis qui nous a fait sortir de l'enfer. Et les gagnants, en tout signe cette prière dans ces pays qui dans le Merci, mon Dieu, de nous avoir fait sortir de l'enfer du coup. Monsieur le Président, et nous rentrerons dans ces pays. Les jeunes préfèrent s'enfuir plutôt que de souffrir. Monsieur le Président, à peur de nuire à la chance de leur vie. Les jeunes préfèrent s'enfuir malencontreusement plutôt que de souffrir. Parce que tous les ambassades nous refusent le visa. À peur de nuire à la chance de leur vie. Comme si c'était Congolais qui portait l'explosif dans les centres commerciaux de leur pays. Parce que tous les ambassades nous refusent le visa. Monsieur le Président, comme si c'était Congolais qui portait l'explosif dans les centres commerciaux de leur pays. On est ce soir avec ces guerres interminables et cette pauvreté atroce qui dépasse l'entendement humain. Oui, on aimait ce soir. On aimait ce dans soir ces pays où la population attend de la pluie et cette pauvreté atroce qui dépasse soit d'acheter de l'eau de forage. On aimait la régie des eaux existe dans ces pays où la population attend de la pluie. Dans ces pays où la régie des eaux a démissionné soit d'acheter de l'eau de forage. Pendant que la régie des eaux existe un mois, on aimait ce deux mois sans eau. Dans ces pays où la régie des eaux a démissionné complètement de son vrai sens des responsabilités. Mais ces dernières, tout ce qu'elle sait faire, un mois, c'est de nous déposer des factures fantaisistes. Pendant qu'elle est incapable de nous fournir de l'eau. Mais ces dernières, tout ce qu'elle sait faire. Dans ces pays où on ne peut pas vivre un jour entier pendant qu'elle est incapable de nous fournir de l'eau. On est messieurs avec les politiciens qui servent des individus à la place de Dans ces pays où on ne peut pas vivre un jour entier sans coupure de courant. Monsieur le Président. On est messieurs avec les politiciens qui servent des individus à la place de servir le peuple. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dans le Président? Le peu que peut avoir ton peuple, c'est vivre avec moins de 1 dollar. Soit au seuil de la pauvreté. Qu'est-ce qu'il a ton peuple? C'est ça être mieux que peut avoir ton peuple. Dans ces pays où il n'y a pas moins de 1 dollar pour le jeune. Soit au sein de la pauvreté, ne sert à rien d'autre qu'à faire plaisir à la famille pour les gens du quartier qu'on est passé pour les où il n'y a pas d'opportunité pour le jeune. Et nos diplômes ne servent à rien d'autre qu'à faire plaisir à la famille pour les gens du quartier qu'on est passé sur les bancs de l'université. De savoir si tu venais de la part de qui. On aime ce soir, monsieur le président. Dans ces pays où tu vas pour chercher du travail, tu poses la question de savoir si tu venais de la part de qui. Monsieur le président, les dollars ne fait que prendre. On aime ce soir dans ces pays où le médecin l'indépendance, nous vivons sans carte d'identité et toujours avec la politique de la main. Les dollars ne fait que prendre son envol. 60 ans après l'indépendance, nous importons les guides d'identité. La population avec la politique de la main tendue. 60 ans après l'indépendance, nous importons les guides. La population de sa famille est un luxe. Tous ces éminents professeurs n'arrivent toujours pas à changer la situation du pays. Manger à sa faim est un luxe. Ils ne savent comment nous profiter de ces éminents professeurs. Ça n'arrive toujours pas à changer la situation du pays, non, monsieur le président. Et ne savent comment nous profiter de voilà ces immenses richesses qu'elle vit. C'est ça être mieux, monsieur. En faisant la Méditerranée, non, monsieur le président. Avec un seul rêve dans la tête, l'Europe voilà ou la mort. Les jeunes risquent leur vie, monsieur le président. En faisant la Méditerranée, savez-vous ce qu'on appelle le rêve dans la tête, l'Europe ou la mort. Voilà, un bateau pneumatique qui nous donne une probabilité à 99% de la mort. Les voilà et 1% un bateau pneumatique qui nous donne une probabilité à 99% de la mort. Et 1% des survivants. Si certains échappent à la mort, c'est avec ça que les gens traversent la Méditerranée. Mais pour nombreux, la Méditerranée reste leur tombe, monsieur. Si certains échappent à la mort, en prenant ces risques. Mais pour nombreux, la Méditerranée reste leur tombe, monsieur.